Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ce n'est pas, malgré le carton que vous voyez sur la table, ce n'est pas une vidéo unboxing, c'est le déballage d'un cadeau que j'ai reçu d'une amie, qui s'appelle Karine de la chaîne Karine et mes passions. Voilà, elle a fait des folies, mais je la remercie quand même parce que ça fait toujours plaisir. On ne se connaît que par internet, mais dans quelques mois, chut, on va bientôt se voir en vrai. Donc voilà, le colis, je vais le poser sur le côté, parce que sinon vous ne verrez rien. Voilà, en essayant de ne pas faire tomber la ring light. Voilà, pour moi, ça va être plus facile aussi. Donc, j'ai eu un petit mot. Donc, voilà, genre, en gros, ben, elle me dit bonjour, voilà, elle me parle du colis, et elle me dit bonne découverte, bisous, Karine, by Kinder. Kinder étant son petit surnom. Donc, on va commencer, hein. Donc, Karine m'a envoyé des pochettes. Donc, moi, d'habitude, j'achète les pochettes, voilà, comme ça, les pochettes avec une fermeture éclair, mais... moi, je les achète, elles sont en plastique. Plastique un peu plus rigide. Et ici, ça ressemble plus à du silicone. Donc, elle m'a envoyé un petit modèle. Comme ceci. Hop, voilà. On sait quand même mettre quelques petites choses. Hein. Ne fût-ce que son matériel de point de croix quand on part. Si c'est une petite tôle, on peut même la mettre dedans. Et le plus grand modèle, là où on peut tout mettre. Hein. Voilà. C'est dans ce genre de pochette, ce format-ci que j'utilise. Je ne sais pas si je serai... Ah, je sais la tirette quand même. Voilà, donc une grande capacité. Donc, pochette à fermeture éclair. Format A4, celle-ci. Mais je ne m'y connais pas dans les formats. Donc, je ne sais pas vous dire, la petite, c'est un à combien. Voilà, donc, premier cadeau que Karine m'a fait. Donc, le lot de deux petites pochettes qui vont me servir très rapidement, d'ailleurs. Qui va simplement, d'ailleurs, déjà me servir quand j'irai lui rendre visite. Ensuite, ben Karine, elle me connaît super bien. Karine, elle sait que j'adore le thé. Et donc, elle m'a acheté une petite théière. Je vais la mettre plus près. Voilà, une petite théière pour infuser du thé en vrac. Et on voit qu'elle me connaît bien parce que j'utilise principalement du thé en vrac. Je bois aussi parfois des infusettes, mais principalement, c'est du thé en vrac que je consomme. Donc voilà, bien protégée, la petite théière. Hop là, voilà. Comme ça, je peux en préparer un peu plus à l'avance. Et pas chaque fois refaire une nouvelle tasse. Surtout que ce qui m'embête un peu dans le thé en vrac, c'est que on ne peut pas le boire tout de suite parce qu'il est très chaud. Donc grâce à ça, ben, la première tasse, ben, elle sera chaude, la suivante sera un peu moins chaude et je pourrai l'utiliser. Voilà. Vous voyez ici ma petite nana, hein, qui est très intéressée par la boîte, du coup elle s'en va. Donc c'est composé de la petite carafe, hop là, de l'infuseur et hop, pour finir du bouchon. Voilà, elle est super belle. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette théière? Théière en verre borosilicate. Je suppose que c'est la composition. Et je voulais juste voir si on pouvait mettre cette petite théière au lave-vaisselle. Ben, le bouchon, non, sûrement. Les filtres, moi, je préfère les laver à la main. Encore Nana qui rouspète. Donc, c'est bambou et verre, la théière. Voilà, je ne vois pas si on peut mettre au lave-vaisselle. Bon, de toute façon, c'est vite lavé à la main. Hein? Donc, on va la remballer. Et quand, avant d'utiliser, je la laverai. Et là, on va la remballer pour l'unboxing. Enfin, pour l'unboxing, pour le déballage, on va dire plutôt. Hein? Donc, la petite théière, deuxième cadeau. On voit que Karine, elle me connaît trop bien. Elle l'a... J'arrive plus à parler. Donc, on voit que Karine me connaît super bien. Elle a trouvé vraiment les choses qui me font plaisir.
Et voilà, encore une petite information, c'est que la carafe, elle fait 90 centilitres. Donc, presque un litre de thé à la fois, c'est chouette. Voilà, donc la théière, on va la mettre là. Ensuite, ah, des choses qui se mangent et que je n'ai jamais goûté. Donc, Karine m'a envoyé une... Donc, c'est une tarte du Champsaur, fabrication artisanale française. Et c'est une tarte aux myrtilles. Alors, je peux vous dire que dès que la vidéo sera terminée, je vais attaquer cette jolie petite chose. Alors, il est marqué derrière « Myrtilles, saveur des montagnes ». On a les ingrédients, etc., les valeurs nutritionnelles. Voilà, voilà. Ça, je suis sûre que je vais aimer. Et qu'elle ne va pas faire long feu, comme on dit chez nous. Donc, alors, la petite tarte. Karine, Karine. Ah, j'attendrai pas 4 heures. Ensuite, elle m'a acheté du thé. Donc, c'est un thé noir avec des fruits de cacao, de l'orange douce, de l'écorce d'orange douce, pardon, de l'arôme orange et des raisins. Donc voilà, ça, une jolie petite boîte, hein, super originale. Hop là, on ouvre comme ça. Et dedans, on a des petites dosettes de thé en forme de pyramide. Ils sont super bons. Donc, encore une chose que j'aime. Hein. Là, jusqu'à présent, elle a tapé dans le mille. Hein. Donc voilà. En plus, moi, j'ai une bouilloire thermostat, on va dire ça comme ça. Donc, je peux choisir la température de l'eau. Donc, c'est parfait. Ça va, il va être super bon, il va être super bien fait. Donc, le thé. Hop, comme ça, j'ai le choix. Hein. Pour le boulot, j'ai plus facile à amener les petites infusettes. Donc, j'ai pour la maison et pour le boulot. Alors, voilà, je le vois de loin dans un petit emballage qui fait un peu de bruit, mais c'est pas grave, on va essayer de faire attention. Voilà, mon personnage préféré en porte-clés, il est trop, trop mignon. Merci Karine. Franchement, c'est par tes cadeaux que je vois qu'en fait, tu me connais vraiment trop, trop bien. Et elle ne s'est pas arrêtée là parce que j'ai également reçu une petite peluche Stitch. Il est beau aussi. Alors, avec une petite ventouse, je suppose, pour accrocher à la vitre de la voiture, mais moi, ce ne sera pas là qu'il ira. Ce sera sur mon bureau de loisirs créatifs. Je vais voir si je suis collée à la ventouse quelque part. Sinon, ben, il sera installé, assis à côté des autres. Il est vraiment trop beau. Je suis trop, trop contente, Karine, franchement. Mais t'as quand même un peu exagéré. Hein. Et pour terminer, hop là, Karine m'a offert cette petite boîte à thé. La sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Elle m'a acheté cette boîte, elle m'a dit parce qu'elle sait très bien que j'en ai énormément et que je ne sais plus où les mettre. Donc ça, le cadeau, il est aussi super bienvenu. Donc on a 3 sur 3, on a 9, 9 petites cases. Je vais les pousser un peu la tarte. 9 petites cases donc pour ranger les infusettes. Ce que je ferai aussi de suite, ça va vraiment libérer de la place dans mon armoire. Donc, voilà. Alors, Karine, bien que tu aies exagéré, on va mettre un petit peu tout comme ça, vous voyez. Bien que tu aies exagéré avec tous tes petits cadeaux, mais je précise que les petits cadeaux me font super plaisir. Eh bien, un tout grand merci à toi. J'ai hâte de te rencontrer d'ici quelques mois. Je sens qu'on va avoir des beaux fous rires et qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Comme il y en a déjà ici maintenant pendant cette vidéo. Donc je te fais plein de gros bisous. Donc n'oubliez pas, Karine a une chaîne, hein, Karine et mes passions. Je mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner, mettre un petit j'aime à ces vidéos. Donc voilà, donc je te fais plein de gros bisous, encore un tout grand merci pour tous ces beaux cadeaux. Et comme je disais déjà, vivement dans quelques mois qu'on puisse se voir. Donc voilà, c'est ici que va se terminer ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et ou un commentaire.
Si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de le faire. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!